tout le monde et salut mes petits photos, c'est Pixmaseb et aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve pour un petit peu de CSGO. Donc aujourd'hui, on va faire le mode Black Site Danger Zone, qui est le mode Battle Royale de CSGO. Et voilà, on va essayer de s'amuser un bon moment. On va peut-être essayer de faire top 1, je vais peut-être faire une voire deux games. Si je peux faire deux games, je ferai deux games, sinon vous en aurez qu'une seule sur la vidéo. Donc voilà. Et on va essayer de s'amuser. Donc voilà. Voilà, là-bas ça se tire. On va attendre pour l'instant dans notre tente. Donc voilà, vous avez la petite carte en fait, où dans les carrés jaunes, vous avez, si je ne me trompe pas, vous pouvez voir s'il y a des ennemis ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un indicateur. Ouais, voilà. Selector Eagling Indicate You Are Enemy. Donc vous savez où vous êtes. R, c'est pour justement le rescue. Donc c'est vous avez un otage. Et l'otage, si vous le trouvez, vous pouvez le ramener là-bas. Allez hop, toi, tu dégages. Tu m'as pris pour qui? Avec, voilà, vous pouvez donner des coups de poing. Et vous avez bien sûr des armes. On va recharger. Voilà, on attend. Ah zut. C'était la fin de l'échauffement. Et voilà. On a un petit fondu enchaîné pour redémarrer. Début du match. Alors, on choisit notre zone avant d'y aller, avant que ça démarre. Ah, j'y suis jamais allé là-bas, y'a personne. On va aller à Outlet. Donc voilà, on a un petit temps de chargement, et puis bien sûr, bah, on va tous être lâchés de l'avion, enfin de l'hélicoptère, excusez-moi, au même moment. Et chacun va aller sur son point de spawn qu'il a décidé, donc on voit à peu près où sont chacun des ennemis. J'ai pris une zone un petit peu reculée. Parce que je n'ai pas découvert encore ce coin de la map, j'ai plutôt fait des coins là-bas, c'est des coins assez tranquilles. Voilà, on voit qu'il y a Doc qui va être vers nous à Bot Hunter. Il y a 13 ennemis face à nous. Là, on peut contrôler un petit peu notre descente. Et voilà. Donc, j'essaie de vous expliquer un maximum hein, en jouant. Alors, hop, bien sûr, il y a toujours l'argent hein, qu'il faut ramasser et avec lequel vous pouvez acheter des armes. Ah mince, il faut 1000 pour aller chercher ça. Alors voilà, on peut récupérer des parachutes. Des petits parachutes. Il y a des petites boîtes à loot. Pour les casser. Faut les casser. Faut les casser pour les avoir. Donc ça c'est pour. Hop. Si vous avez une arme, c'est des boîtes de munitions. Comme par exemple sur Fortnite ou quoi que ce soit. Il y a du C4 mais je peux pas le ramasser. Est-ce que je dois déjà en avoir? Oui, j'en ai déjà. Donc oui, on peut toujours prendre du C4 et le poser. Donc, non, on peut pas passer. Ah, j'avais oublié que j'avais monté le son. Ah, ça m'a fait peur au début. On prend bien sûr des dégâts de chute. Wow, 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 wow. Non, mais c'est une blague. Vous savez quoi? Je vous expliquais pas mal là au début. On va dire que c'était pas voulu et on va relancer une partie. Allez, c'est parti. Du coup, il y aura au minimum deux games. Ah, je suis dégoûté. Bon, pour beaucoup, vous avez compris, hein, bien sûr, c'est un Battle Royale. Donc là, on est en attente, on est en recherche de game. Okay. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Clairement. Ah, là, je vous avoue que. Eh ben j'aurais pas cru que ça se passerait comme ça. Bon, en attendant, bah tant que... Pas regarder quelque chose en avant. Ah, on voit qu'on a gagné Ah, le skin pour MP90. On voit son propre rang. Bon, on est en recherche en attendant. On attend les serveurs. Donc on voit dans l'équipement la P90 en sable. Dans mes équipements, j'ai pas grand chose hein, de base. Waouh, qu'elle est jolie! Voilà le son que vous écoutez en fond, c'est l'autre qui tape, qui casse. On va attendre que ça se finisse. Hein. Voilà, on voit qu'il y a un allié là qui joue. Allez, le jeu! On va
grave, tourne au menu principal en attendant. Donc voilà, vous voyez, à Danger Zone, voilà, votre match est prêt. On peut jouer à 16 maximum. Vu que les maps sont assez petites, c'est logique. Et voilà. Donc bon, on aura passé 5 minutes à plus expliquer et on aura... Enfin, on aura passé sur ces 5 premières minutes. Allez, facile, 1 minute à jouer. Et encore. Donc un truc que je peux vous conseiller, c'est... Ne faites pas comme moi, bien sûr. Si vous avez un peu d'argent et que dans le shop, vous voyez, vous pouvez acheter ne serait-ce que... Je vais vous faire voir, en fait. Si vous voyez que vous pouvez acheter ne serait-ce que, par exemple, le Tech 9 ou n'importe quoi, en fait, et bah prenez-le. Parce que vous allez vite en avoir besoin d'une arme. Donc là, bah, on attend. Donc oui, bien sûr, en fait, par exemple, si vous faites... Je voulais vous faire voir comme ça. Si vous êtes là-dessus, sur le tableau, et que vous refaites la touche du tableau, donc la touche du tableau, c'est A, et bah en fait, vous... Enfin, moi, c'est A, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Et bah vous repassez de... sur la carte, en fait, ce qui est très intéressant. Ah oui, attention, 1, 2, on va le voir tomber, voilà, c'est drôle, attendez, je vais tester un truc, on peut donner des coups de pointu, oui, donc on peut faire des trucs rigolos, donc c'est bête, j'ai pas pu vous montrer pour les caisses de munitions, on va essayer de faire mieux cette fois-ci, on va essayer au mieux de faire un top 5. Sur 16, ça devra aller logiquement. J'ai pas non plus encore un boulet sur les jeux vidéo, ça devra aller. Logiquement, je suis. C'est bon, je devrais passer. Il va pas y avoir trop de soucis. Ça se tape là-bas, ça se tape. Ah, ça va être la fin de l'échauffement déjà. C'est bien ça. Je t'ai eu. Hop. Voilà, vous avez vu, on a pris un petit peu de dégâts à la toute fin. Le début du match. Et je vais aller à un endroit que je connais bien, qui est Cliff. Donc là on voit qu'on est 13 sur 16 à être prêt en fait, à avoir sélectionné notre point. Et là vous avez une vingtaine de secondes avant que ça commence. Oh là là, mais que c'est joli quand même. C'est ça se voit que voilà, pour l'instant, cette année, les jeux sont pas mal basés. Eh bien, sur des Battle Royale, parce que, voilà, il y a PUBG, il y a Fortnite, il y a Battle Royale qui s'est mis en Battle Royale. Maintenant, c'est autour de CSGO, qui est le plus gros, enfin, pour moi encore de nos jours, le plus gros FPS qui existe. Et puis voilà. Donc hop, on passe par là, c'est voir un truc magique. Ah, attends, je peux toujours pas la prendre la case de mission. Ah tiens, il y a l'argent de l'autre côté. Alors bien sûr, les spawns c'est toujours aléatoire, hein. Voilà. You need a refill. Ah, okay, y a rien ici. We need the money. Ah, on a une clé sa mère. Alors qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Le Tech 9. On va attendre peut-être pour le Desert Eagle. Je n'aime pas du tout le Tech 9 sur le jeu, donc. Hop. Rien, mais putain, mais j'ai pas une arme. Missiles are primed. Wave one firing is about to commence. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Ouais, il y a un mec. Allez, est-ce qu'on va le tuer comme ça? À la clé. Au point, au point. Non, on s'est fait tuer au point. Mais c'est une grosse blague ce jeu! Pourquoi j'ai pas d'arme? Et pourquoi lui il arrive à me tuer à main nue? Il arrive à me tuer à main nue! Allez rejouer! Ah, je suis dégoûté, mais merde! Putain! Je suis pas possible! Pour vous dire, j'ai fait, allez, 3 games avant de. Bah, avant de commencer. Sur ces 3 games, j'ai trouvé des armes dès le début. Mais là, comme par hasard. Je tourne une vidéo, CSGO ne veut pas, et puis voilà. Donc voilà. Allez, c'est bon. Allez, gens, rejoignez. Et le jeu donne-moi une arme au début, merde.
Donne-moi du loot. Allez. Allez le jeu. Allez. On est 14. On est 15. Allez. Plus qu'un. Mais non. Ça c'est chiant. Donc le temps de recherche estimé, il n'y en a pas. Le nombre de joueurs en ligne, il y en a. Le nombre de joueurs en recherche, il y en a. Le nombre de joueurs sur le serveur. Ah voilà, c'est bon. Allez, c'est reparti. Bon. Faut quand même que je fasse au moins plus que ça. Parce que là, j'ai fait un top 11 à la première game, un top 15 à cette game là. Ouais, je passe quand même pas mal pour un Bambi, hein, comme on pourrait dire sur Fortnite. Ou sinon, là, je passe vraiment pour un putain de fucking noob. Hein. Bon, bah, on va attendre. Hein. Pour l'instant, on est en attente. On va attendre ici. Moi, je m'en fous, j'attends. Je veux attendre. Allez, dépêche-toi le jeu. Allez. Allez, gens, rejoignez-nous. Ah, mais c'est incroyable les dégâts qu'il m'a mis. Pourtant j'avais une clé, ouais, je lui ai fait très mal avec ma clé pourtant. Bon bien sûr, les descentes. Hop. Waouh. Ah bah tiens, il n'y a rien. Bon c'est normal, il n'y a rien au début. Et ce qui est bien c'est que la map sur laquelle on attend au début, bah, c'est la map sur laquelle on joue. Donc vous pouvez totalement visiter si vous voulez découvrir la map. Bien sûr, si vous avez CSGO, hein, sinon... Bah, faut attendre que des youtubeurs jouent au jeu pour vous faire des visites. Et puis bah voilà, sinon voilà, c'est tout. Ah là là, regardez, des petites tables de camping là. Est-ce qu'on serait pas bien pour manger? Regardez. Quand même, c'est con, hein, tout à l'heure en mode échauffement, il y en a un, je l'ai détruit d'un coup. Mais alors là, j'y arrive pas. Après, j'ai pas d'armes au début, donc c'est un peu compliqué. Et hop. C'est y part. Bien sûr, en haut, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait une roue de sélection. On va retourner à Cliff. On va à Cliff, on va à Cliff. On a mis le taf, bunker, forêt, hatch, sac. Bon, je vais pas tous vous les faire, hein. Là, pendant le temps de chargement, vous avez le temps de tous les lire. De toute façon, vous avez eu trois temps de chargement jusqu'à maintenant pour les lire. Logiquement, là, c'est la bonne. J'espère, parce que sinon, j'aurais fait une vidéo avec que des games de merde. Alors par contre au début je comprends pas, on peut à moitié diriger son personnage en fait. On peut à moitié diriger son personnage mais au final... Ah oui, et je vous ai pas dit un truc. Parce que oui, ouais, si, il faudrait que je vous y dise quand même parce que c'est important. Là vous voyez si j'appuie sur X, j'ai ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bah c'est du heal tout simplement. Ah, bon il va y avoir une arme quand même dans la boîte. Ah bah nickel, un 5-7. Et voilà, et là bien sûr, regardez, le jeu qui nous met, viens récupérer des balles mon gars. Et voilà, et là on récupère des balles, et on est content. C'est un 5-7, c'est pas ouf, mais c'est déjà ça de prix. Oh, un Glock 9, non je vais garder le 5-7. Le 5-7 fait plus de dégâts de base. Ah, nickel, et ça, c'est les butins. Là, on voit. Bien sûr, hein, c'est comme sur Fortnite, PUBG, Battle Royale. Il y a une zone qui rétrécit petit à petit. Et si je me trompe pas, bon, vous verrez bien en fait. Si je survis. Bon, déjà, il n'y a eu personne dans la baraque. Parce que oui, bon, en fait, je passe par en dessous. Je sais pas si vous avez remarqué, bien sûr, j'ai fait tout le tour. Je passais par en dessous. Pour après revenir en fait dessus. Ah non. Faut une carte, c'est vrai. Oui, parce que oui, il y a des moments, faut des cartes pour pouvoir ouvrir des trucs. C'est chiant. Voilà, encore une bombe incendiaire. Tu sais qu'il y a du monde logiquement pas loin. Je vais peut-être attendre pour le FAMAS. Hop, récupère la thune. Voilà, là, hop.
D'ailleurs, je peux pas vous faire voir. Là, on peut ouvrir. Il y avait un prix affiché. Des fois, ça peut être zéro le prix. Et là, on récupère masse balles. Allez, encore. Voilà, on est à 32 balles. Ouais, pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Alors, faudrait quand même que je fasse un kill parce que sinon c'est pas ouf. Ouais, parce qu'il y a des trucs comme ça qui me tirent dessus et qui sont ultra chiants. Et là, il avait collé un drone. On a pas mal géré. Ah! Aïe aïe aïe! Oh non! Non! Oh non! Oh là là, le dégoût! Mais le dégoût d'un homme! Mais jouer aussi mal, quoi! Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il m'a grenade explos pendant que j'étais en flash. Oh non! En plus, il a tellement mal lancé sa grenade. Ah non, la flash, ça venait d'où? Oh là là! Ah, c'est pourquoi on va rester sur sa vue. Si je veux bien. Ah, et du coup d'ici on peut add les gens et tout ça. D'accord, je peux pas spectate? Ah bah si, spectate. On va regarder un mec jouer, hein, voilà, parce que bon, voilà, nous on joue mal, hein. Mais voilà, en fait quand il demande une carte, il faut soit un couteau ou je sais pas quoi pour l'avoir l'UMP. Oh là là, mais il a tellement de chance. Il y a 6 mecs au total, il y a 6 personnes. On va regarder ces 6 personnes, on va essayer de voir combien de temps on va durer cette dernière game. Et là vous voyez la zone en fait en rouge qui arrive petit à petit. Ah c'est bien, nous on voit où sont tout le monde. On voit qu'il y a Blood au-dessus, on voit qu'il y a Slick, on voit qu'il y a Neox sous-sol. Blood qui va bientôt rencontrer Slick. Yoni, Narvs et Seovs. Je ne peux pas sélectionner en fait... Ah si, attendez. On est sur la vie de Blood. Blood qui est à l'autre juste en dessous. Il a l'air de le savoir, il a l'air de le savoir qu'il y a quelqu'un. Ils sont juste l'un à côté de l'autre. Hein. Je sais pas ce que fait l'autre, s'il est derrière lui ou s'il est juste. Il a l'air d'être juste en dessous. Oh là 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 là. Et Slick qui détruit totalement Blood. Ah par contre, ouais, non. Lonely, tu prends des dégâts. C'est Thanos. Et là, vous voyez, voilà. Vous voyez un petit peu la zone qui se réduit. Vous voyez des marques un petit peu rouges. Je peux pas vous faire voir avec la souris, en fait. C'est ça qui est con. Vous voyez, il y a un peu une marque rouge. Je pense que ça vient de... voilà, comment ça se passe. Ah. Oh là là, il n'a plus d'armes. C'est Thanos qui n'a plus d'armes. Il s'est fait détruire par Lyonie. Hein. Ah, mais Lyonie est à 5 PV. Ok, il a encore des... Il a des seringues, il a des seringues. Lonely qui a des seringues aussi, mais qui ne veut pas les utiliser. Attention, 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 attention. Attendez. Narv. Narv qui se bat contre le bas, ce que je vous expliquais en fait tout à l'heure. Et là. Slick, Slick. Slick et Slick qui détruit. On va retourner sur la vue de Lonely. Lonely qui... Voilà. Qui commence à se heal. Nerve est très bien là où il est placé. Slick est très bien en termes d'armement. Et Lonely, c'est Thanos. Bah, Thanos va devoir vite courir. Mais il sait qu'il y a Lonely qui a pris un petit avantage et qui l'attend. Mais attendez, c'est Thanos qui fait le tour. Mais regardez, c'est Thanos. Mais c'est Thanos qui fait le tour. Littéralement. Il fait littéralement le tour. Ah, mais il a un Max 7. C'est vrai qu'il y a le Max 7 pour tirer de loin, ça va pas être bien pratique. On va regarder, on va aller regarder jouer.
On va les regarder jouer. Regardez la zone qui commence à approcher de cet anneau. Il y a aussi des largages, bien sûr, comme vous avez pu voir quand Satanos l'a fait. Lonely qui attend. Ah, Satanos qui est passé par là. J'ai cru qu'il aurait fait plus. Attendez, attention. Il y a Lonely sur sa gauche. Il ne le sait pas, mais il y a Lonely pas très loin. Nerve. Nerve. Attendez. Nerve qui vient de tuer Slick. Il reste plus que Nerve, Lonely et Satanos. Qui va l'emporter? Lonely qui est pas loin de Nerve, qui est au milieu. En fait, Lonely est très mal placé parce qu'il est entre deux. Lonely qui n'a pas vu. Lonely qui n'a pas vu Satanos. Enfin, Cetonas, excusez-moi. Attends, je le lis mal depuis tout à l'heure. Lonely qui n'a pas vu Cetonas. Cetonas qui voit Lonely. Par contre, ouais, t'aurais pu tirer avec ton Tech 9. Que fait Lonely? Ah, Lonely s'est réveillé quand même. Lonely qui n'a pas pris de dégâts. Cetonas qui devrait se remettre un coup de heal. C'est pas combien il est en face. Ah, attention. Nerve. Nerve, 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 nerve. Nerve qui boit. Nerve qui tue Lonely. Mais qui ne sait pas que Satanos. Enfin, Cetonas, putain, j'y arrive pas. J'ai du mal aujourd'hui, comme d'habitude. Nerve qui ne sait pas où Cetonas se trouve. Nerve va-t-il trouver Cetonas? Cetonas qui est juste en dessous, à mon avis, de Nerve, qui arrive derrière Nerve. Oui, il arrive juste derrière, il arrive juste derrière. Nerve. Cetonas. Nerve. Nerve qui a mis des dégâts à Cetonas. Cetonas qui est à 20 HP. Cetonas qui a pas de quoi se heal. Et Cetonas qui meurt sous le coup de Nerve. Nerf qui a eu la P90 Traction. Donc voilà, vous avez aussi les classes là, bien sûr. Donc voilà. Donc moi, je vous laisse là-dessus. C'était trois petites games nul à chier de mon côté, clairement. Mais on a pu voir un petit peu, j'ai pu vous montrer un petit peu comment. Le nouveau mode en fait. Et comment ça se passait tout simplement. Donc moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut! À plus, mes petits louveteaux! Et bien sûr, à plus, tout le monde!